Ah, je vous ai eu. Eh ben oui, c'est une petite vidéo donc pour les enfants. Pour les enfants. Non, pour les enfants, c'est mieux comme ça. Pour les enfants, vous avez dû recevoir par mail aujourd'hui un petit jeu de loi que je vous ai préparé cet après-midi. Et écoutez, je vais vous montrer chacune des cases. Alors peut-être pas les 45 cases, mais en tout cas les principales, où il pourrait y avoir des petits soucis de compréhension. Et puis comme ça, je vais voir si c'est réalisable, tout simplement ce que je fais. Ça se joue évidemment avec un dé, de manière traditionnelle. Si jamais on rate une épreuve, on peut faire reculer la personne de 3 cases si on veut. Sinon, on peut très bien faire juste ça sous forme de, on va dire, d'entraînement tout seul, à deux, comme on veut. On peut, selon le gabarit de l'enfant, on peut également tout simplement varier ce que l'on fait dedans. Il y a des choses peut-être un peu dures, d'autres un peu trop faciles. Donc on n'hésite pas à modifier un petit peu ce que j'ai noté là, selon l'âge de l'enfant, surtout sur le nombre de répétitions, par exemple. Allez, je vais essayer de parler très fort, et c'est parti pour la première, Mapou. Répétez 10 fois. Coup de pied de face, à droite et à gauche. La moitié du Tao, Wu Puchuan. Ensuite, saut de grenouille sur à peu près 5 mètres. Un petit saut de grenouille, hop là, main, pied au sol, on pousse les deux en même temps. Voilà. 10 positions, combo. À répéter 10 fois. Coup de pied de côté. Pareil, répéter 10 fois. Enchaîner 3 positions de son choix. Plus dur. Donc moi je l'ai choisi. Mapou. Kompou. Et Poupou. Mapou, Chilonkou et Tulipou. Voilà, c'est deux enchaînements possibles, il y en a plein. Vingt cloche-pieds du même côté. Enlève très haut. 20 fois, c'était facile. Comptez jusqu'à 10 en chinois. Attention. Yi a san se wo liu shi pa diu shi. Dix positions, si époux. Position comme ça. Gainage 30 secondes. Dix levées de jambes libres. Par exemple, 10
coup de pied circulaire. Deuxième moitié de Wu Bu Chuan. Super facile aussi. Alors, ramper sans les mains, je vais pas le faire. Ramper sans les mains, c'est un petit peu à la mode chenille. Parce que d'une part, je suis pas équipé pour, et puis dehors, j'ai peur que ce soit... On s'abîme un peu. Mais vous vous débrouillez pour ramper sans les mains. Si c'est dur, évidemment, mets les mains. Enchaînez 4 positions. Par exemple, tulipu, mapu, kombu, et... Voilà. J'ai mes 4 positions enchaînées avec des mouvements ou sans mouvement, sinon plus simplement mapu, shupu, kompu, siepu. Disposition kubu. Alors, saut de lapin. Petit saut de lapin. On est ici, on sautille doucement. Toujours bien pour les cuisses et les mollets. Sur 5 mètres. Hop, je reviens. Encore du cloche-pied, on l'a fait. Levé de jambe, on l'a fait aussi. Comptez jusqu'à 10 en chinois. On l'a déjà fait. 15 sauts sur place. Comme ça. Avancez en tantoué. Tantoué, c'est coup de pied, coup de poing, comme dans le taoudou. Droite et gauche. Sur 5 mètres à peu près, bien coordonné sur les deux. Marche en canard sur 5 mètres. Marche en canard sans sauter. J'avance. Donc 5 mètres, c'est facile. À chaque fois. On essaie d'en faire 10 comme ça. Le reste, on a déjà fait. Le gainage, comptez jusqu'à 10 en chinois aussi. Enchaînez 5 positions. Dans 5 positions, on va redémarrer Chilongpu par exemple. Mapu. Kompu. Tulipu, Shupu. On voit la 5. Tout le reste on a déjà fait. Wu Bu Chuan en entier. Aussi. Alors, 10 coups de poing dans le vide. 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peu importe la forme de poing, 10 coups de poing en pivotant sans mettre trop de force. La position Chilongpu, 10 fois.
dragon. À répéter 10 fois. Et mon préféré, compter de 5 à 1 en chinois. Je ne l'ai pas fait jusqu'à 10, heureusement, mais... Ou, se, san, a, yi, de 5 à 1. Et là, on a fait un tour complet, bravo. On a réussi. Allez, à vous les gars.